de ces événements culturels qui contribuent avant tout à l'émancipation de notre musique, et je dirais simplement de notre musicalité de la rumba congolaise. Donc, la chanson Bokoko qui a été jouée au préambule hein, du concert Arena Adidas de Ferrogola. Vous avez vu la réaction de nos voisins, c'était une réaction bien sûr archaïque, hein. Il faut dire les choses concrètement parce qu'il ne faudrait pas oublier que ces fanatiques-là sont toujours troublés, ceux dont on appelle les Gaulois, ils sont toujours troublés un peu de ce qui s'était passé à Pointe-Noire où vous avez vu les Congolais de cette ville océanique de la République du Congo qui n'ont pas hésité de soutenir à foison Rugaruga. Et du coup, je crois que ce traumatisme-là est en train peu toujours de les propulser à vouloir simplement vociférer contre Zebira, qui est la légende de la musique congolaise. Mais il faudrait ne pas oublier que c'est aussi ça, la musique. Il y a toujours ceux qui sont là pour faire la criade. Mais le fait marquant, le fait significatif, c'est que en voyant Bokoko être joué à ce lieu de ce concert Arena Adidas, ça prouve concrètement que les Yemayeza qui ont voulu déclarer que Bokoko était une chanson simpliste, qu'ils étaient dans le tort et que cette chanson est en train de continuer à représenter à bon escient le progrès musical de notre pays. Ça confirme davantage que cette chanson est acceptée partout et que cette chanson ne devrait pas être considérée comme une chanson moindre. Bon, il y a souvent des gens qui sont dans un disciple que je trouve souvent pittoresque parce que il y en a qui pensent que Bokoko ce n'est pas une chanson, alors que Bokoko est bel et bien une chanson parce que il y a des gens tellement ce sont des ignares, ils veulent limiter la chanson à être simplement une rumba. Ils oublient que le générique, c'est avant tout une chanson et que la chanson n'est que l'assemblage hein, des musicalités et sans doute aussi des voix qui doivent être une plaisance à l'écoute. Alors, c'était cette clarté que je tenais à signifier, comprenez avant tout que Bokoko est une chanson qui est continuellement en train de faire la fierté du progrès musical de la République du Congo. C'est à féliciter. Le simple fait que cette chanson puisse être jouée au préambule de ce concert Arena Adidas de Ferrigola, ça prouve avant tout que Rugaruga reste incontournable, reste invincible, et comme en train de dire au Kimba, c'est la grande école Extra Musica de Rugaruga. Donc le 19 mai, n'oubliez pas, nous devons tous soutenir cette fierté musicale d'Afrique, cette fierté musicale de la République du Congo, cette grande école. Donc ça sera une plaisance pour tous les Africains qui ont une volonté d'accepter que ce monsieur a beaucoup fait.